Dans les locaux du foyer rural de Nespoul, Jean-Claude Maigne est une référence, plus encore un exemple. Il ne manque jamais d'entraînement, et le moins que l'on puisse dire, à 74 ans, il soutient la comparaison face à n'importe quel adversaire. Le papy pongiste en est presque déconcertant, avec cette vitesse de bras à faire pâlir de jalousie les joueurs beaucoup plus jeunes. Je rencontre des gars de 18 ans, de 20 ans, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non. Et Jean, Jean-Bas. Jean-Bas, même il s'agace. Il y en a qui pleurent des fois. Mais bon, c'est le sport. Il est vrai qu'il peut énerver du monde, Jean-Claude, quand il déroule son tennis de table sans fausse note. Il faut dire qu'il a derrière lui 60 ans de pratique, première licence en 56, et une boîte aux souvenirs copieusement garnie de photos, de coupures de presse un peu jaunies, des témoignages d'une carrière sans la moindre zone d'ombre. Les meilleurs souvenirs, c'est les matchs que j'ai fait en national quand j'avais 18-20 ans. Pour moi, ça a été le summum, quoi, parce que j'ai rencontré ce crétin, j'ai rencontré des grands noms du tennis de table, quoi. Le temps a filé grand train, mais la belle histoire n'est pas terminée. Jean-Claude Maigne ne veut surtout pas remiser balle et raquette. C'est un sport que j'ai toujours aimé, que j'aime et que j'aime toujours. Alors pour moi, c'est... Et que je puisse jouer à mon âge comme je joue, pour moi, c'est super. À 74 ans bien sonné, Jean-Claude Maigne reste un adversaire craint et redouté, mais aussi et surtout un élément clé au sein du club de Nespoul.